Est-ce que vous êtes droit à peu près? Alors, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Voyage et cette fois-ci, on se retrouve pour la valise cabine. Donc c'est parti, let's go. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. J'espère que le son sera bon parce que je vous avoue que je n'ai pas de micro et je suis un peu loin de mon téléphone, mais c'était pour vous montrer un peu déjà la valise, les choses comme ça. Donc, on est vraiment sur une véritable pack-in puisque en fait, je pars en week-end en Sardaigne demain. Donc, je fais un vol Toulouse-Olbia. Donc, c'est des vols avec Volotea. Donc, Volotea, c'est une compagnie low cost, un petit peu comme EasyJet, Ryanair et choses comme ça. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que ce genre de compagnie ont tendance à diminuer de plus en plus la taille des valises. Ça a été le cas avec EasyJet il n'y a pas longtemps. Ils ont vraiment, vraiment réduit la taille d'une valise cabine qu'on a droit de prendre avec nous sans payer de supplément. Donc Ryanair, ça fait déjà bien longtemps qu'on a droit uniquement à son sac à main et rien d'autre. EasyJet, maintenant, il faut vraiment que même ton sac à main rentre dans ta valise. Alors, petit tips sur Volotea, ils font en ce moment des vols vraiment pas chers et ils vous proposent de souscrire gratuitement pour 15 jours à l'offre Volotea Plus. Donc, cette offre Volotea Plus vous permet d'avoir des réductions sur les vols et surtout de bénéficier d'un bagage cabine de 10 kg plus votre sac à main. Donc, en fait, moi, je triche un peu, à savoir que je prends en sac à main mon Neverfull de Louis Vuitton et qu'à l'intérieur, j'ai glissé mon Kelly. Comme ça me fait deux sacs en un, voire trois, parce que dans le Louis Vuitton, vous avez également la petite pochette comme ça qui peut faire pochette de soirée. Donc, on va dire que je pars avec quasiment quatre sacs. J'ai également mis dans la valise de mon fils un pliage longchamp que j'ai mis à plat. Comme ça, au moins, je me dis que si jamais on ramène des choses et que on manque de place, ça évite de bourrer sur la valise et de la casser. Donc voilà, il ne faut jamais trop bourrer une valise, je parle en connaissance de cause. Si on la bourre trop, qu'on s'assoit et qu'on va pour la fermer, ça peut casser les fermetures. Donc voilà, faites attention à ça. Comme d'habitude, la vidéo n'est pas très préparée. Voilà, j'ai essayé de m'organiser un petit peu et de vous montrer en live comment je faisais ma valise. Je voulais vous parler tout d'abord de la valise en elle-même, puisqu'en fait, on a trouvé des super valises. Enfin, mon chéri a trouvé des super valises. Je pense que c'est sur Cdiscount. Ce sont des valises, en fait, donc taille cabine comme ceci. Alors, un conseil, partez sur des valises 4 roues. C'est beaucoup, beaucoup plus facile à trimballer qu'un sac à dos ou une valise 2 roues, parce que ça roule de partout. Et celles-ci, en fait, pourquoi elles sont top? Parce que les roues s'enlèvent. C'est-à-dire qu'on ne peut vraiment pas me dire que la valise ne rentre pas. Là, je pense qu'elle rentre même sous le siège en enlevant les roues. Donc, en fait, vous avez un petit sac plastique que vous laissez dans la valise. Et si jamais ils vous demandent d'enlever les roues, mais normalement, même avec les roues, là, ça passe sur Volotea. Mais je pense que EasyJet, il y a besoin effectivement d'enlever les roues. Et à l'intérieur, vous avez deux grandes poches. Alors, j'ai un petit peu commencé, donc il y a déjà un peu des choses. Mais on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Donc, on va faire compartiment par compartiment. Donc, le premier compartiment, au fond, j'ai mis un dust bag qui vient de Maurice. Parce que j'ai un cadeau à faire sur place et je me suis dit que ça ferait le paquet cadeau. Donc, je le mets au fond, comme ça, ça prend zéro place. Et ensuite, ce que j'ai fait, habituellement, j'arrive à faire des compartiments par type de vêtements. C'est-à-dire un compartiment avec des pantalons, un compartiment avec des t-shirts, un compartiment avec les sous-vêtements. Et là, je me suis dit, non, tu ne te casseras pas du tout la tête sur place. Tu fais des compartiments par tenue, mais tenue complète. C'est-à-dire que tu mets le haut, le bas et les sous-vêtements. Parce que je pense que ça nous est toutes déjà arrivé où tu emmènes ta tenue. Par exemple, tu as un t-shirt blanc et tu te rends compte que tu n'as pris que des sous-vêtements noirs. Donc, tu n'as même pas le sous-vêtement qui va avec ta tenue. Donc voilà, je me suis dit, je vais faire carrément tenue par tenue. J'aime beaucoup marcher avec les pochettes comme ça. Vous les retrouverez sur Amazon. Attention à bien prendre des transparentes parce que des fois, elles existent en toutes fermées. Et en fait, l'inconvénient, c'est que vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, ce qui est bien, c'est que je vais également pouvoir sortir un seul pochon comme ça quand je vais partir demain matin. Donc voilà, ça évite d'avoir à tout ouvrir la valise, tout retourner pour trouver ton bas de pyjama, quoi, ouais, par exemple. Donc j'ai emmené une paire de tongs que je mets dans ce compartiment. J'ai emmené mes sandales Chloé
que vous devez commencer à connaître qui sont celles-ci. Donc, petit retour sur ces sandales Chloé qui ont fait le buzz il y a quelques années, hein, peut-être bien. Donc, moi, je les avais achetées à 50% de remise, donc je n'avais pas pris un gros risque. Mais c'est surtout qu'elles étaient réputées pour faire extrêmement mal aux pieds. Et moi, c'est tout le contraire. Elles me font extrêmement du bien. Je peux marcher toute la journée avec, je n'aurai pas d'ampoule. Donc, celles-ci, je les emmène. Autre tip que vous devez forcément connaître, c'est de mettre les vêtements les plus gros et les plus encombrants sur vous. Donc par exemple, je pars avec mes baskets, un jean, un pull, un foulard et un blouson sans manches. Voilà, bon, je crois qu'il annonce quand même plutôt beau temps sur la Sardaigne sur les jours à venir. Mais voilà, le soir, si jamais il fait frais ou quoi, je prends mon petit blouson sans manches. D'ailleurs, je vais vous montrer la tenue avec laquelle je pars. Donc en fait, pareil, je prends mes baskets au tri, que je vous avais montré d'ailleurs dans un haul. Hop, une paire de chaussettes que j'ai déjà préparée. Ça, c'est le blouson en jean. Donc blouson en jean, c'est plutôt cool aussi comme tenue, parce que c'est quelque chose qui ne prend pas extrêmement de place et qui peut aussi bien vous réchauffer que vous soulager s'il y a du vent ou des choses comme ça. Donc je pense que la veste en jean, c'est plutôt bien quand on part en vacances. Moi, je prends toujours une brassière pour le voyage. J'ai pris un jean blanc. Je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée pour faire le transport, mais bon, c'est pas grave. Il me manque à mettre un débardeur. Je mettrai mon pull par les mantias parce que j'y suis trop bien dedans. Et voilà, ma veste sans manches que j'adore de chez American Vintage que je vais du coup inaugurer lors de ce déplacement. Donc ensuite, j'ai un pochon qui est vide, donc on va le remplir. Donc je pars vendredi, samedi, dimanche, lundi, je pars 4 jours. Donc il me faut 4 tenues, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, j'ai vu un peu large parce que je me suis dit que si par exemple on allait se promener la journée, je préfère avoir une tenue également pour le soir parce que j'aime bien me changer. Donc je vais faire peut-être 2 tenues par pochon. J'ai un pochon ici dans lequel j'ai mis 2 maillots de bain. Pourquoi ? Parce que j'ai un partenariat avec une marque de maillots de bain et que je leur ai promis de leur faire une vidéo pour leur anniversaire. D'ailleurs, je pense que vous le verrez sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, je vous invite à m'y rejoindre. Et j'ai mis également des chaussettes basses. Ah, j'ai pas prévu mes affaires de sport. Je sais pas si je les emmène. Non, si jamais j'ai à faire du sport, je ferai mon 15 minutes challenge. J'ai pas besoin de basket, je peux même le faire pieds nus, donc au pire je le ferai avec mes hauts-trim, voilà, j'irai pas courir. Donc ça, je vais le mettre également sur un côté. Ensuite, donc je vais mettre dans les pochons, je vais mettre les tenues, comme ça je vous montrerai comment ça rentre. Bon, j'ai pas roulé les vêtements, je les ai juste pliés. Je vais mettre tous les vêtements que j'ai achetés en fait et j'ai ramené de Maurice la dernière fois. J'ai trop envie de les inaugurer aussi. Donc on va faire comme ça. Est-ce que je vous montre ce que j'ai emmené comme tenue? Non, j'ai emmené, enfin je vais vous le dire, j'ai 2 tenues avec jupe longue, débardeur, petite veste. Une robe courte pour la plage. Une robe sans manches mais longue, ma robe Uniqlo. Pareil, je vous épingle la vidéo. Et 2 tenues avec pantalon. Bon, je pense que j'ai vu très large comme d'habitude, mais moi je ne sais pas voyager ultra léger. Donc on ne se refait pas. Et là, en fait, on est quand même bien au niveau des valises, dans le sens où toute la famille a pu bénéficier de notre carte Volotea à plus. Donc, ça veut dire que même les enfants, ils ont droit à une valise plus un sac à dos ou sac, pas sac à maman, mais un sac à dos, on va dire un petit accessoire qu'ils ne prendront pas. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bon, bah vas-y, prends ton sac pliage Longchamp, comme ça, si tu as des choses à ramener, tu ne seras pas trop serré. Donc ça, c'est cool. Celles-ci, vraiment, je les adore. Donc, vous voyez, j'ai mis 2 tenues là-dedans. Ça prend 0 place. Donc, je vais pouvoir en mettre une d'un côté de la valise et peut-être une autre d'un autre côté. Il m'en aurait fallu une troisième, mais je ne sais pas. Je crois que j'ai pas. Si, je dois avoir. Mais alors, où elles sont? J'ai tellement de bagages. Ah, mais j'en ai une là. Non. Vous voyez par exemple, c'est celles-ci que j'avais achetées et qui sont absolument pas transparentes. Donc c'est hyper chiant, on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Je me tape quand même à la prendre parce qu'en termes de dimension, elle est pas mal. Non. Donc je vais enlever ça, c'est une tenue pour un anniversaire que je dois prendre.
je vais la mettre là-dedans en attendant. Mais vous voyez, quand vous rangez des affaires là-dedans, vous ne savez pas du tout ce qu'il y a dedans une fois que c'est plié. Donc, c'est vraiment, vraiment pas pratique. Vous voyez, ça ne me dit pas ce qu'il y a dedans. Bon, ça va. On fait un pochon en plus. Ça c'est cool. Ça va largement rentrer. Donc, c'est top. Bon, comme d'hab, je choisis toujours des vêtements qui ne se repassent pas parce que moi, j'ai la flemme du repassage. J'ai la hantise du repassage même. Peut-être sur place, je ferai un petit coup de défroisseur si quelqu'un en a à me prêter. Mais sinon, c'est pas grave. Ce sont des vêtements que si vous voulez secouer, ils doivent se remettre un petit peu d'aplomb. Donc, un pochon là. Et un autre pochon où on va mettre cette tenue qui est très noire, ma foi. Celle-ci, je l'adore. C'était une jupe que je vous avais montrée. C'est une Molly Bracken. Je pensais la porter que l'hiver, mais en fait, même l'été, elle est canon. Donc, je suis très contente avec un petit débardeur avec les cœurs. Je l'adore. Je crois que je les avais pris chez Pimki. Ils les avaient sortis en noir et en blanc. J'avais pris les deux. Et j'ai une petite veste que je pourrais mettre soit en petite veste, soit sans rien dessous. On est chez Bash. Elle se porte soit devant avec un gros col décolleté dans le dos, soit à l'inverse, du coup, avec un décolleté devant et forme normale derrière, soit carrément ouverte en veste. Donc ça, c'est bien. Les matières, les choses qui sont un petit peu polyvalentes, c'est cool. Ensuite, j'ai mon pyjama que je vais peut-être mettre sur mes claquettes. Comme ça, moi, je pourrais m'en servir facilement. J'emmène aussi ma boîte à bijoux avec mes bijoux parce que j'aime bien accessoriser un petit peu mes tenues et mettre par exemple des grosses boucles d'oreilles en argent ou des grosses boucles d'oreilles dorées pour les soirées. Voilà, les boucles d'oreilles en principe ça habille très vite une tenue, donc ça c'est cool. Je vais les mettre dedans aussi. Donc ça va me mettre peut-être dans mon sac à main, je sais pas, je verrai. Et ensuite il nous reste la trousse de toilette. Alors je crois que je voulais vraiment pas me prendre la tête, je voulais essayer de faire rentrer là-dedans ma trousse de toilette et ma trousse maquillage qu'il va falloir que je fasse que demain matin par contre, parce qu'il va falloir que je mette aussi ma brosse à dents. Alors brosse à dents, j'ai une petite trousse comme ça qui normalement est faite pour les enfants, mais je déteste emmener ma brosse à dents dans ma trousse de toilette sans qu'elle soit protégée parce que je trouve ça très très sale. Donc j'emmène toujours là-dedans, donc ça je vais peut-être la mettre sur ma valise ce soir pour pas l'oublier demain. J'emmène un paquet de mouchoirs. Là-dedans, c'est quelques petits médicaments pour les maux de tête ou les choses comme ça. Je mets dans la tenue. Un chouchou, je ne sais pas. Vous voyez mes cheveux, il faut que je les lave demain. Une petite crème solaire extra plate. Ça, c'est hyper pratique. Et on va regarder ensemble ce que j'ai mis dans ma trousse de toilette. Alors, j'ai mis un petit gel douche de chez Rituals. En principe, j'emmène pas de gel douche parce que quand on va à l'hôtel ou même dans les locations, maintenant, il y a toujours des gels douches. Là-dedans, j'ai mis quelques cotons démaquillants. Donc, je dois avoir un démaquillant ici. Alors, il est presque vide, donc il faut que je le remplisse. J'ai un stick de protection solaire. J'ai un mini déo que je dois avoir également dans mon sac. Ça, je vais l'enlever parce que c'est un nettoyant visage, mais je vais prendre un autre. Ça, je vais l'enlever parce que j'ai dans mon sac à main un gel hydroalcoolique. Ça, je vais l'enlever, je n'en ai pas besoin non plus. Et en principe, voilà, quand je pars sur des 3-4 jours, j'aime beaucoup partir avec des échantillons. C'est ultra pratique. Pareil, une miniature de parfum Twilly d'Hermès que je vais mettre là-dedans. Donc, tout va rentrer là-dedans et ça ira également dans ma valise. Donc, je me retrouve dans ma salle de bain pour vous donner un autre petit tips. Alors là, je viens de remplir mon huile démaquillante avec un démaquillant, une eau micellaire. Je ne sais pas si c'est très bien d'avoir mélangé les deux. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, dites-moi dans les commentaires si vous mélangez des fois démaquillant et huile démaquillante et eau micellaire. Bon, j'espère que ça va quand même démaquiller. Mais ce que je voulais vous donner comme petit tips, c'était de le mettre dans une petite poche qui se ferme parce que si jamais ça coule dans la trousse de toilette, là on est dégoûté. Donc, voilà, petit tips. Et j'avais oublié dans ma trousse la brosse. C'est quand même important. Tiens, je vais peut-être vous montrer ce que j'emmène en maquillage. Alors, vraiment pas grand-chose, vous allez le voir. En tout cas pour moi. Je vais prendre une super bébé. Je vais prendre un mascara. Je vais prendre un crayon pour les sourcils. Une poudre de fixation avec du coup un petit pinceau que je vais rajouter de suite. Est-ce que j'en ai un? Oui, j'en ai un, alors petit pinceau. Hop. Alors, attendez, je vais basculer ici.
toute une organisation. Hein. Ça, je ne vais pas le prendre. Ça, je vais le prendre. Donc ça, c'est pas mal. C'est Natacha Denona qui fait ça. Et c'est, vous avez aussi bien le bronzer que l'highlighter. Donc du coup, ça fait deux en un au format mini. C'est top. Ça prend vraiment pas de place. J'emmène un coupon. J'en ai deux. J'en emmène un. Non, alors je vais prendre même un mini coupon. Regardez-moi le coupon le plus cute au monde. Et j'ai un rouge à lèvres mini de chez Make Up For Ever qui est rouge, rouge, rouge. Donc ça aussi, c'est pareil, ça va habiller une tenue de ouf. Et c'est tout. Donc on va voir si ça rentre. Donc je récapitule. Pinceau pour la fixation. Je vais fixer ma super bébé. Alors, je ne vais pas vous mentir, je crois que je vais en emmener deux parce que celle-là, elle est presque finie. Et je ne voudrais pas me retrouver sans bébé crème parce que là, ce serait la cata. Mascara, j'aurais pu prendre un mini, mais il faut que je finisse celui-là, donc je vais le prendre. Mon bronzer que je vais me servir également pour mettre sur les paupières si jamais je veux me maquiller un peu plus. Le crayon pour les sourcils. J'ai un rouge à lèvres. Je pense qu'on est pas mal, hein, si vous voulez penser plus. Une pince à cheveux. Non. Tiens, on va me tenir les cheveux pour ce soir. Bah écoutez, ma foi, on est pas mal. Ah oui, l'anti-cerne. J'ai commencé à en remettre en ce moment parce que j'ai une sale tronche. J'emmène pas. Bon, allez, j'ai de la place. J'emmène. Et c'est tout. Voilà. Petite trousse beauté. Eh, je suis soulagée. Tout est rentré. Ça rentre dans ma valise. Je suis ultra contente. Alors, attention. Attention. Les liquides doivent être mis dans une trousse transparente et chaque liquide doit faire de façon unitaire moins de 100 ml. Donc voilà, 75 sur le dentifrice, on est bon. Mais voilà, faites attention à ça. Et ce que je voulais dire, donc oui, je me refais le match de le matin quand je me lève, je me lave les dents, je me lave le visage, je mets un sérum, je mets une crème, je me maquille, machin. Voilà, je me refais un petit peu toutes les étapes de ma routine beauté du matin et c'est comme ça que j'arrive à faire ma valise. Donc franchement, bah, je suis très contente. Je vais me retourner pour vous montrer grosso modo à quoi ressemble la valise. Donc on a un premier compartiment avec ici deux tenues. Ici, mon pyjama. Dessous, j'ai deux paires de tongs. Une pour la plage, une pour le soir. Ici, j'ai mes maillots de bain, une tenue, un ensemble de sous-vêtements et des chaussettes. Ça, c'est le petit sac plastique dans lequel je rangerai les roues si jamais on me demande de les enlever. Et ici, vous avez deux ou trois tenues. Une tenue là et ici, mes médicaments, trousse de toilette. Donc voilà, bah, je pense qu'on est, on est plutôt très très bien. Alors, c'est 10 kg maximum par valise, mais là, je pense que je suis largement moins. Donc voilà, et bien écoutez, vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que vous étiez hyper intéressés par les vidéos sur le thème voyage. Donc voilà, moi j'adore faire mes valises, c'est quelque chose qui me donne du baume au cœur. Donc voilà, là quand c'est valise cabine, quand c'est pas avec EasyJet, c'est quand même facile parce que on va pas se mentir, dans le Neverfull, on met beaucoup beaucoup de choses. Donc voilà, je sais que j'avais pas de stress pour faire une valise cabine avec Volotea. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.